Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, l'heure est grave. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait une semaine que Monsieur M est sorti et je ne l'ai toujours pas débloqué sur mon compte principal. Regardez, il est absent. Il attend, débloqué grâce aux boîtes Brawl Stars. Écoutez, il va falloir qu'on fasse un gros pack opening. Ça tombe bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il me reste 159 petites boîtes, une grosse boîte. J'ai déjà fait un gros pack opening la semaine dernière, malheureusement sans succès. Bon, sans succès, 5 Star Power quand même. Donc c'était pas dégueulasse. Mais on va essayer d'aller débloquer ce Brawl. On va le débloquer quasiment à 100%. Je vous préviens tout de suite, on est sûr de le débloquer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, on a cette offre Brawler mythique, mais qu'on utilisera en dernier recours. On a également une autre offre au shop, la Brawl lunaire, hop, qu'on ne va pas utiliser tout de suite. On va voir peut-être en fin de vidéo pour l'acheter. On avait une boîte gratuite ici, mais on n'a rien trouvé dedans. Et bien sûr, toujours, avant de faire un pack opening, avant d'acheter des gemmes, etc., avant de dépenser des gemmes, on met le code créateur ici, AXAEL, pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. On est parti. Est-ce qu'on va réussir à trouver? On ouvre, on a une seule grosse boîte, on va l'ouvrir directement. On sait jamais, hein. Eh ben écoutez, non. Allez, maintenant on attaque les 159 boîtes qui nous restent. Il nous reste aussi 458 tickets ici d'événements qu'il faudra un petit peu farmer peut-être. Mais on ne pourra pas ce week-end tout simplement parce que ce week-end c'est combat de boss. Et dans le combat de boss, bah, vous savez, hein, on dépense un par un. Donc les tickets, donc bon, c'est pas cette semaine qu'on va pouvoir dépenser tous nos tickets. Allez, on est parti. Oh! On n'a pas fait l'état des lieux. On n'a pas fait l'état des lieux de ce qui nous manque. Effectivement, il nous manque le dernier brawler. Mais il nous manque également un Star Power sur Dynamite. Un Star Power qui est au shop. Donc on achètera peut-être. Il nous manque quoi d'autre? Un Star Power sur BA. Et bah, c'est tout. Écoutez, on est quasiment full max. On est quasiment full max. Écoutez, on part. On part. Allez. Allez, est-ce qu'on va réussir à trouver du Star Power? Est-ce qu'on va réussir à trouver surtout le nouveau brawler? Alors là, si on le trouve dans les premières caisses, le nouveau brawler, ça serait complètement fou. Mais j'y crois pas trop. Là, on va déjà commencer. Là, on rush. Hein. Là, on rush de la caisse. On rush de la caisse. J'espère que vous avez mis votre like. Là, sur les packs opening comme ça, il faut mettre le like. Hein. Il faut mettre le like pour m'aider, pour me soutenir dans ce pack opening et essayer de m'aider à obtenir ce nouveau brawler. Ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Est-ce qu'on va voir? Absolument pas. Je sais pas pourquoi, des fois il y en a qui tournent, des fois il y en a qui tournent pas, etc. C'est un peu étonnant. Un peu étonnant, mais bon, il n'y a pas de pattern. Hein. C'est pas parce que ça tourne un petit peu plus longtemps que les autres que vous allez récupérer un brawler dedans. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Et écoutez, pour l'instant, les 19 premières caisses n'ont pas été très très fructueuses. Il nous en reste 140. Ça va. On a de quoi voir venir. Hop, le problème c'est que si on le débloque un petit peu trop tard, bah, ça veut dire qu'on n'aura plus du tout de boîte pour essayer de l'améliorer. Et on va se retrouver avec un Monsieur M qui sera pouvoir 1, ce qui est un petit peu embêtant pour le monter. Hein. Après, on a vu, on a sur notre compte level 1 des brawlers qui sont bien montés, hein, à plus de 500 trophées. Franchement, ça reste jouable, mais ça reste quand même plus compliqué. Allez, on va arriver sur 130. Ah, et toujours rien, hein, toujours rien. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de likes. Hein. Il n'y a pas assez de likes, là. Je sens que vous êtes encore en train de douter. Vous vous dites, ah, est-ce que j'attends plutôt qu'il débloque le brawler avant de mettre le like? Non, non. Mettez-le tout de suite, comme ça, c'est fait. De toute façon, regardez, là, pour l'instant, on ouvre des boîtes. Il n'y a pas grand-chose à faire. On discute, on est ensemble. Hop, et on essaye de trouver des petits trucs. Regardez, d'ailleurs, on a notre petite arcade. Arcade qui est vraiment magnifique. Franchement, attendez, on va faire un petit tour avec. On va faire un petit tour avec, regardez. Hop, on arrive à 120. On a fait quasiment un tiers de l'opening. Et regardez cette arcade. Franchement, il n'est pas stylé. Ah, moi, je le trouve vraiment magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Très, très bien fait. Le petit arcade virus. Alors, lui il vaut 300 gemmes. Lui, il vaut 300 gemmes. Il vaut très, très cher. Mais bien sûr, je sais que vous l'avez acheté avec mon code. En tout cas, pour beaucoup, puisque bah, vous partagez également sur Twitter. N'hésitez pas, d'ailleurs, à partager vos petits screens sur Twitter quand vous débloquez un skin avec le code créateur AXAEL. Ça fait toujours extrêmement plaisir de savoir que bah, vous soutenez la chaîne. Je le sais parce que vous mettez des petits commentaires quand même sur les vidéos. Donc, bah, écoutez, je suis toujours attentif à vos commentaires, bien entendu. Ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, ça tourne, mais cette fois, il y a un bonus restant quand même. Hein. Attention, le ticket d'événement. Écoutez, j'ai l'impression que là, le jeu, pour l'instant, ne me veut pas. Alors, attendez, on va ouvrir les trois dernières, là. Alors, il en reste un. Il en reste 110 après. Mais on va ouvrir... Oh, 8 gemmes, c'est pas mal. 8 gemmes, c'était pas mal. Écoutez, je pense qu'il faut partir sur une game. On va partir sur une game avec notre arcade. Allez. Ouais, allez, on va partir avec arcade. Écoutez, on a un beau skin, on en profite, on part sur une game. Juste histoire de réchauffer un petit peu le jeu et s'assurer que ça va bien marcher. Allez, hop, on se déplace lentement par contre, hein, c'est un peu le problème d'arcade.
Hop, on a du mal à accéder aux caisses, mais par contre, quand on accède aux caisses, on les détruit très rapidement. Hop là. Hop, hop, hop. Voilà, très bien. Hop, on va faire des petits changements de direction, bien sûr. Hop, on fait du kill. Oh là, voilà, le beau qui veut nous tuer, c'est pas très gentil ça. Hop, hop, on essaye de faire le kill. Et voilà! Oh, on n'a pas réussi. Tant pis, on a réussi à faire le kill, mais on n'a pas réussi à récupérer l'énergie. Le vilain beau qui nous prend notre énergie, ça c'est pas très gentil ça. Alors attendez, ouh, j'aime pas trop ça. Ouais, fais attention, fais attention. Il va peut-être essayer de nous bump avec son ulti. On va faire très attention, est-ce qu'on n'attaquerait pas par là? Ouais, il est par là, il est par là. Ok, il se barre, il se barre, il se barre. Attention, attention, attention. Le Daryl qui va peut-être essayer de nous charger. Ouh, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. On va essayer d'avoir la tourelle. Voilà, la tourelle pour tanker. On revient, on prend l'énergie. On met la pression peut-être ici sur le Daryl qui va être obligé de tourner. Hop. Oh oui, c'est bien ça. On met la pression, on met la pression. Hop, hop. Oh le beau. Le beau, le beau. Ah, le beau qui prend pas mal de dégâts aussi. Le Daryl. Voilà, hein. Bien sûr. Ils nous ont attaqué tous les deux. On va leur renvoyer la monnaie de leur pièce. Hop, voilà. Oh, c'est bon ça. Hop là, la Shelly. Incroyable, incroyable. On est en train de remonter. Ok, on est remonté en énergie là. Mine de rien. On va essayer de se régénérer. Ouh, c'est bon ça. Ok, on le fait tourner vers la Bibi. Ok, ok. Et finalement, on a fait une bonne petite game là. Ok, on a manqué. Oh oui, bien sûr. Ouh là, ça c'est dangereux ça. Ça c'est dangereux ça. Allez, on n'est plus que 4. On n'est plus que 4. Il y a le El Costo, la Bibi. Oup, hop là, la petite tourelle pour tanker. Et le Léon qui a failli... Oh, il va mourir là. Il va mourir ce Léon. Allez, allez. Meurs, 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 meurs. Et ouais, c'est le kill. Le kill sur Léon. Le kill peut-être sur la Bibi. Hop, le kill sur le El Costo. Et ça va être le GG, incroyable. Incroyable, le top 1 assez facilement finalement. Enfin non, assez facilement, on a quand même goûté à la mort avant d'utiliser notre Star Power. Mais on s'en sort bien. Ça c'est les skins hein. Les skins à 300 gemmes, beaucoup trop puissants. Les adversaires ne peuvent rien faire et donc du coup ils abandonnent. Hop là, on récupère une caisse au moins. Oh, 111, allez. Allez, on s'est redonné un petit peu de chance là. Pour aller ouvrir quelques petites box supplémentaires. Vous le sentez là? Moi je le sens un petit peu mieux. Je le sens un petit peu mieux grâce à ce top 1. Je le sens vraiment beaucoup mieux. Hop là. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant pour l'instant? Ok, je le sens bien, mais les 10 premières boîtes ici m'ont pas forcément convaincu. Attention, il nous en reste plus que 100 après celle-ci. Aïe, aïe, aïe. 100 petites boîtes. Aïe, aïe, aïe. On est sur la dernière ligne droite. Hein. La dernière ligne droite, on en a déjà ouvert 60. Hop, et on va essayer d'aller récupérer. Oh, ok, du doubleur de jetons x 200, ça on aime. Ça on aime, je vais aller checker combien on a de doubleurs de jetons. On ouvre de la boîte. Oh là 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 là, je suis en train de diminuer complètement mon stock de petites boîtes. Encore du doubleur de jetons. Hop, alors ça on aime, ça on aime. 475 tickets d'événements. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, cette fois c'est le brawler ou pas? Non, absolument pas. Absolument pas. Combien on a de doubleurs de jetons? On a 766 doubleurs de jetons. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et vous avez vu le skin, hein, le skin Mr. P, agent M, qui devrait arriver bientôt dans 6 jours et 17 heures. Donc du coup, on va voir un petit peu si ça arrive. Et on aimerait bien avoir Monsieur M avant que le skin n'arrive quand même, pour pouvoir le débloquer. Mais c'est sûr, de toute façon, on l'aura. La question, c'est est-ce qu'on l'aura dans les boîtes là? Est-ce qu'on l'aura peut-être dans les méga boîtes qu'on achèterait au shop, ou alors est-ce qu'on l'achètera? Ah, je ne sais pas, je me tâte, hein. Je me tâte. Mais pour l'instant, j'avoue que les petites boîtes, elles nous donnent pas vraiment satisfaction. Hein. Est-ce qu'il faut refaire une game? Est-ce qu'il faut refaire un top 1? Ou alors peut-être le top 1. Oh! Bah écoutez, un Star Power déjà. Ok, le Star Power de Dynamike. On l'avait au shop, mais écoutez, je voulais pas l'acheter au shop. Je me suis dit, écoutez, débloquons-le tranquillement avec les boîtes. On a plein de boîtes, on en profite. Écoutez, on se fait plaisir en plus. C'est quand même plus plaisant de découvrir un Star Power dans une boîte que de l'acheter directement au shop, non? En tout cas, moi, je préfère. Donc, du coup, ça s'appelle Démolition. Le super de Dynamike inflige 1000 points de dégâts supplémentaires. Il faut savoir que ça, c'est très, très violent. Hein. 1000 points supplémentaires, ça fait vraiment extrêmement mal. C'est un très bon Star Power.
Vous avez des maps où vous n'avez pas forcément besoin de jump un petit peu dans tous les sens avec votre dynamite. Et donc du coup, bah, à ce moment-là, franchement, avoir ce star power, c'est plutôt pas mal. Il nous manque plus qu'un star power, mine de rien. Il nous manque le star power de BA et les deux star power du nouveau brawler, bien entendu, quand on l'aura débloqué. Mais on commence à s'approcher rapidement d'un compte maximum. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Hop. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse si on faisait, par exemple, une revue de mon compte quand il sera plein? Quand il sera vraiment full, avec que des pouvoirs 10, tous les Star Power, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un petit peu une revue avec tous les différents skins que j'ai débloqués, etc. Ça peut être sympathique, non? Une petite revue de mon compte complet, hop, on verra. Peut-être je vous ferai une vidéo comme ça, ça peut être effectivement intéressant. Hop, en attendant, on continue d'ouvrir des boîtes. Alors là, on arrive vraiment... Là, on arrive sur la fin et il nous reste combien? 52 boîtes. Oh, quoique, il nous reste encore 52 boîtes. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on trouve rien. Alors, est-ce qu'on va être obligé d'acheter l'offre? Ah là 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 là. Est-ce qu'on va être obligé d'acheter l'offre et les méga boîtes? Ou alors, est-ce qu'on achète directement des gemmes avec les gemmes? Bon, je pense qu'on va ouvrir avec les méga boîtes. Allez, on va acheter les méga boîtes. En tout cas, là, pour l'instant, ça se dirige comme ça. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. On ne trouve absolument rien. Comment c'est possible? J'ai pas regardé. À combien il est mon monsieur M? Alors attendez, pour trouver la chance d'avoir monsieur M, il faut aller ici. Il faut cliquer ici. Et on a donc du coup 0,26. Allez, 0,26%, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup du tout. Hein. Il nous reste 33. Allez, allez. Je pense que malheureusement, faut se dire que sur celle-ci, ça risque d'être mort. Hein. Sur cette vidéo, en tout cas, on va pas réussir à l'avoir dans les petites boîtes. Dans les petites boîtes, mais on l'aura forcément. D'ici la fin de la vidéo, je vous ai promis en début, de toute façon, une promesse est une promesse, on débloquera forcément ce brawler. Et j'ai pas regardé combien on avait de gemmes au début, mais on commence à en avoir pas mal, hein, parce que je crois que j'en avais combien? J'en avais genre 450, je crois, donc on est quasiment à 150 gemmes de gagner, je crois. Oh, nice! Nice, nice, nice! Le pouvoir star de BA recharge instantanée. Si elle rate un tir surchargé, la grosse piqûre de BA est instantanément surchargée pour le tir suivant. Alors ça, c'est pas mal. Si vous n'êtes pas trop sûr de votre shoot et que vous voulez garder votre gros coup, eh ben écoutez, vous pouvez l'utiliser. Et du coup, même si vous loupez un des gros coups, vous en avez un deuxième. Donc ça, c'est intéressant. Bon, après, le deuxième star power de BA, celui qui lui permet de rester en vie avec un point de vie, il est vraiment tellement, tellement fort que bah, je vous avouerai que si vous avez l'autre, moi, généralement, je préfère jouer l'autre. Ok, bah écoutez, là, on est quasiment full. Hein. Eh, il nous manque plus que le nouveau brawler et les nouveaux star power. Donc du coup on est vraiment très très bien. Le problème c'est que du coup il nous reste plus beaucoup de boîtes ici. Il reste combien? 12 boîtes. Attention, on est sur le dernier sprint final. On va accélérer ici peut-être. Eh, plus on accélère et plus on a de chance d'ouvrir des boîtes, je crois. Plus on a de chance d'ouvrir des bonhommes. Regardez, là on va très vite. Là on va très vite. Eh, ça ne se vérifie pas du tout. Ça ne se vérifie pas du tout. Il m'en reste combien là? Il m'en reste 2. Attention, plus qu'une. Dans la dernière. Eh non, pas dans la dernière. Rien du tout dans cette dernière boîte. Écoutez, on n'a plus qu'à acheter l'offre ici. Hein. On n'a plus qu'à acheter l'offre. Malheureusement, ça va nous coûter encore des sous. Allez, c'est payé. En tout cas, j'espère que vous avez mis un maximum de likes et que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein, parce que cette vidéo va me coûter très, très, très cher. Elle m'a déjà coûté 159 boîtes, 33€ de plus, 500 gemmes qui arrivent, 6000 d'or. Et donc, du coup, là, on a 6 méga boîtes pour essayer de récupérer Monsieur M. S'il vous plaît, soyez chic quand même avec moi. À un moment donné, là. Ah oui, qu'il y a un doubleur 400, ça, c'est pas mal, mais bon. J'avoue qu'on préfère. S'il vous plaît. En plus, le truc, c'est que là, si on voit le petit 1, on sait que c'est le brawler. Parce qu'il n'y a plus du tout de Star Power à débloquer. Il n'y a plus rien. On n'a plus que ce nouveau brawler à débloquer. Donc là, on sait que s'il y a un petit 1. Oh là là, je sens qu'on va pas l'avoir. Hein. Je sens qu'ils vont pas nous le donner. On va être obligé d'aller l'acheter. Oh là, et pourtant j'ai donné. Hein. Pourtant, j'ai donné. Hein. Je suis désolé, j'avais fait un sondage. Est-ce que vous voulez qu'on le débloque avec des boîtes ou est-ce que vous voulez que je l'achète avec l'offre? Vous m'avez dit, on le débloque avec des boîtes. J'ai tout fait, j'ai tout utilisé, toutes mes boîtes, toutes les boîtes de l'offre. Et là, on va être obligé finalement d'aller l'acheter avec le nouveau. Ah ouais, c'était ma dernière boîte possible, je crois. Ah non, encore une. Oh, il y en a tellement. Ah là là, malheureusement, on va être obligé de l'acheter avec l'offre. Attends, il y en a combien des boîtes là? Mais j'en ai ouvert combien là? J'ai l'impression d'en avoir ouvert 10. Ok, il y en avait 6, non? Mais elle s'arrête plus. Attends, c'est moi qui ai fumé ou... Ok, j'ai eu l'impression d'ouvrir 1000 boîtes. Oh là, c'est incroyable. Bah, je pense que il y en avait que 6 hein, après tout. Oh non. Hey, oh, la perceuse là. Oh, laisse-moi ouvrir mon brawler en paix. T'auras le droit de percer juste après. Allez, du coup, on le débloque.
avec l'offre. Allez, monsieur M. Monsieur M qui est débloqué. Et mon voisin là qui commence à percer. Oh, calme-toi, calme-toi. Il est 15h30. Attends 20h. Attends 20h comme tout le monde là pour faire chier ceux qui veulent dormir. Mais pas à 15h30 en pleine journée, voyons. Hop là, monsieur M qui a été débloqué. Monsieur M est un concierge un peu soupe au lait qui jette des valises sur ses adversaires. Grâce à son super, il appelle des robots porteurs qui lui donnent un coup de main. Écoutez. Ça y est, on a débloqué le nouveau brawler. Par contre, bah vous là, je vous l'avais dit. Hein, je vous l'avais dit, du coup, il est pouvoir 1 et on n'a plus du tout de caisse, on n'a plus rien du tout. Plus rien, ça nous a ruiné complètement ce pack opening. Mais on a le nouveau brawler, on est quasiment max. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Moi, je vous dis à très très bientôt, des bisous. Bye bye.